n'y a pas d'experts ici. Depuis ces jours-là, moi je ne crois plus aux experts. Ils recopient les feuilles, ils viennent résister. Ça, c'est pour moi. Hein. Toi, tu crois aux experts, il n'y a pas de problème. Ça fait 65 ans que j'ai prêché ça à Addis Abeba, à la salle de conférence où les présidents africains se réunissent. Est-ce que le frère qui est là? Nous sommes allés là-bas. Invité par la sœur Joséphine Ouedraogo qui était là-bas. Les ambassadeurs des pays sont venus accréditer. Et voilà, on a parlé. Je leur ai prêché. Je suis allé d'abord sur le leadership. On était déjà peut-être à 50 ans. Je leur ai dit, oh, toutes les aides qu'on vous a données là, de façon économique. Vous avez investi, non? Il y a la loi de semer et de récolter. Vous avez semé. Où sont les résultats sur le terrain? Tous les ambassadeurs étaient assis. Hein? Je leur ai parlé. Où sont les résultats? Deuxièmement, je vous défie. Si on vous donne la surface de toute l'Afrique, vous ne pouvez pas me contredire. Et on vous donne des grains de riz. Vous commencez à planter. Toute l'Afrique est un champ. On vous donne quelques grains de riz. Parce qu'ils ne connaissent pas le mille. Et vous semez ça en Afrique du Sud, en bas, au Cap, là-bas. Vous semez 100 grains. Vous allez récolter 1500 grains. Vous semez ça. Vous continuez à semer. Prenons le temps un peu long. Au bout de 100 ans, l'Afrique sera couverte de quoi? Le monde sera couvert de riz. Alors, l'argent que vous a donné, où est l'argent? L'argent a couvert quoi? Expert, là, dites-moi. Les ambassadeurs là, baissent la tête. Les experts économiques baissent la tête. L'argent sert à quoi? Je suis économiste comme vous. On recommence les mêmes choses, les mêmes schémas. On n'atteint pas de résultats. On dit micro, macroéconomie. Endogène, exogène. Laissez-moi ces mots-là. Mon père est un paysan. Chaque saison, c'est saison pluvieuse. Il nous amène au champ. Il sème. Et on remplit deux greniers. Si vous sémiez ce qu'on vous donnait là, il y a longtemps, on avait l'argent. Quand on est sorti, le chef de la sécurité de l'Union africaine. Il est venu me voir. Et c'est la première fois que lui a vu une réunion silencieuse. Sinon, ici, là, il baisse la voix. Hein. Sinon, ici, là, quand les présidents là viennent, il s'insulte. D'où vous venez? Il dit Burkina. Il dit, où aller? Première fois. Et lui, ils ont mis leurs gens croyant qu'on va se boxer. On sort, on ne se boxe pas. Vous comprenez? C'est la même chose avec nous. On enseigne, on enseigne. Sème, récolte, ne t'occupe pas de l'autre. Ici, tout le monde a son champ. Quelqu'un doit récolter. Les paresseux sèment. Si tu n'entretiens pas, tu ne vas pas récolter. Pourquoi tu te préoccupes? C'est ça la foi. Il t'a donné une mesure de foi. Utilise la foi. Pourquoi tu veux savoir si la foi doit augmenter? Il n'a jamais répondu à ça. Où est votre foi? Ce qui m'intéresse, où est votre foi? Et si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, voilà le résultat.